Aujourd'hui, je vous viens avec l'astuce pour celles qui ont dit qu'elles ne peuvent pas trouver un endroit où enterrer l'œuf ou bien pour le citron, où enterrer le citron et tout. Donc là, je vous viens avec un autre truc qui est plus simple. Là, ça se fait avec les oignons. Si par exemple, vous avez votre ex, votre copain qui vous a quitté, vous voulez le faire revenir ou bien ça ne va pas entre toi et ton copain, il y a un problème entre toi et ton copain et qu'il te boude, il te parle pas, tu veux qu'il revienne envers toi et tout, tout ça là, et que l'amour entre vous se renforce et tout, vous avez besoin de qu'on appelle ça d'un oignon. Quand vous prenez l'oignon, vous avec un bout de papier sur lequel vous écrivez le nom de cette personne, si c'est votre exo, que si c'est votre mari, si c'est votre copine, les hommes aussi peuvent le faire, peu importe la nature des choses entre vous et cette personne, si c'est devenu bizarre et que vous voulez que la situation se règle et que cette personne revienne en pleurant envers vous, vous avez besoin d'un oignon. Vous prenez l'oignon, vous coupez. On ne touche pas ici, hein. On ne touche pas ici, c'est juste la tête. Au niveau de la tête, on creuse avec le couteau. Et puis là, vous voyez comment j'ai fait ça ici. Et là, je vais plier ça. Donc, je vais déposer le couteau. Là, ici, je vais plier ça, je rentre ça au milieu de l'oignon. Ensuite, je referme comme ça. Ensuite, tu refermes l'oignon comme ça et tu mets dans un coin chez toi à la maison. Et puis, quand tu mets le nom de la personne, au moment où tu mets le nom, tu as fini d'écrire le nom sur le bout de papier que tu es en train d'enfoncer, tu es en train de mettre ça dans l'oignon, tu dis, tu fais tes vœux. Façon dont il est parti là, façon dont l'oignon brûle, juste sans ça faire couler les larmes là, façon dont l'oignon fait pleurer les larmes là, façon dont il est parti là, qui vient comme ça en courant vers toi avec les larmes, qu'il ne soit pas tranquille, tant qu'il vient pas en courant envers toi avec les larmes, façon dont l'oignon fait couler les larmes là, que ses larmes coulent comme ça aussi, qu'il vienne envers toi avec les larmes en pleurant ou qu'elles viennent, voilà un truc. Que ce soit homme ou femme, donc c'est ça, vous faites vos vœux comme ça, et puis vous déposez l'oignon dans un coin, et puis vous oubliez là-bas. Voilà. Je vais vous dire un truc, moi je vous donne les astuces, mais celui qui exauce les vœux, c'est Dieu, tu vois. Chaque personne a sa manière de voir les choses, pour d'autres personnes, ça passe rapidement. Les astuces que je donne, il y a beaucoup qui m'ont fait des retours positifs. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas encore vu les résultats bas. Parce qu'on n'a pas les mêmes génies, comme je disais, on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes ondes, tu vois. On n'a pas les mêmes auras. Si quelqu'un est plein de mauvaises énergies et tout, cette personne, ces choses vont prendre du temps avant de se réaliser. C'est pourquoi j'ai donné des trucs, les bains purificateurs, je vous ai montré des trucs qu'il faut se laver pour vraiment briller, toutes ces choses.